Bonjour, nous laissons les desserts de côté et nous intéressons cette fois-ci à l'heure de l'apéritif. Chez nous, nous avons l'habitude de proposer un plateau de légumes à croquer avec une petite sauce, le plus souvent fromage blanc ketchup. Pour cela, j'utilise toujours l'inusable plateau tupperware de ma grand-mère, mais il y a quelques mois, j'ai quand même eu envie de me renouveler. Pour trouver de nouvelles idées, Internet est mon ami. Ainsi, pour Noël, j'ai trouvé cette idée de sapin en crudité. Je l'ai fait au moins 4 fois, à chaque fois il a remporté un grand succès. Maintenant, avec le printemps qui arrive et Pâques, je vous propose des idées plus printanières. Pour préparer les plateaux apéritifs que je vais vous proposer, j'ai utilisé des carottes, j'en ai trouvé des oranges et des jaunes, des poivrons de toutes les couleurs, des concombres, des olives, des tomates cerises. Pour le matériel, prévoyez aussi des emporte-pièces. J'ai pris une étoile, une fleur et un papillon. Ils vous permettront de tailler dans les poivrons de jolies formes. Il vous faut un bon économe et un bon couteau. Je commence par éplucher les légumes. Et voici comment nous allons faire un plateau de légumes en forme d'œuf de Pâques décoré. Pour lui donner une belle forme, j'ai fabriqué un contour en carton recouvert de papier d'aluminium. Au fond, j'ai réparti les bâtons de carottes. Puis j'ai décoré l'œuf un peu comme je l'avais fait pour le sapin de Noël. Avec des concombres, des olives, des tomates cerises et une étoile en poivron jaune. Pour le lapin debout, j'ai coupé des cercles dans un poivron. J'ai rempli ces cercles de bâtonnets de poivron. J'ai taillé des oreilles, des moustaches, des pattes. Pour les yeux, j'ai utilisé des rondelles de carottes que j'ai rehaussées de tranches de céleri branches. Évidemment, beaucoup de variantes sont possibles. Sur la couleur, sur les légumes utilisés. Vous pouvez par exemple garnir votre lapin de brocoli, comme ici. Vous pouvez aussi lui faire les yeux en tranches d'olive. Passons au lapin couché maintenant. Je dessine ses contours avec des lamelles de poivron. Je garnis sa tête et sa queue de bâtonnets de poivron également. Et j'utilise les bâtonnets de carottes pour son corps. Enfin, voici le caneton. Encore une fois, je trace son contour avec des poivrons. Ici, ils sont jaunes. Je garnis sa tête de bâtonnets de poivron. Son œil est une tranche d'olive noire. Son bec est fait en tomate cerise. Concernant son corps, je le couvre de bâtonnets de carottes jaunes. Puis je rajoute des lamelles de poivron orange pour dessiner ses ailes. J'ai ajouté quelques décorations printanières. Des fleurs que j'ai taillées dans les poivrons. J'ai fait leurs boutons avec une tranche de carotte. Puis j'ai taillé aussi un papillon dans le poivron orange. Dessus, j'ai posé des morceaux d'olive pour dessiner les ailes. Et une lamelle de concombre, dont le haut est coupé en deux pour faire sa tête. Vous avez testé l'une de ces recettes, vous l'avez aimée? Laissez-moi un commentaire sous la vidéo. Bon appétit! Pour être informé de mes nouvelles vidéos, abonnez-vous en cliquant sur l'icône en dessous de la vidéo. À bientôt!